Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors, comme vous le savez, la mission coréenne Immortal Song a de nouveau frappé fort avec une performance des Forestella. Donc vous l'avez compris, comme le titre de la vidéo indique, je vais tout simplement réagir au band groupe Forestella. Vous savez que j'aime énormément ce groupe. Et lors de l'émission, ils ont tout simplement interprété le titre Bright Romance. Alors il faut savoir que ça fait 3-4 jours que je me bats avec cette performance. Je l'avais mis plusieurs fois dans ma liste. Et à chaque fois, la vidéo était là, et puis hop, elle disparaissait. Mon pays, avec les droits d'auteur, etc., etc. Je dis, mais merde, quand je veux vraiment réagir à ce son, je vais re-essayer de trouver vraiment une vidéo plus potable, mais en clair, ils ont vraiment restreint cette vidéo. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait. Vraiment, je ne comprends pas du tout. Mais ça craint les boudins, vraiment. Oui, je vois qu'il y a plein de gens qui ont réagi et tout entre temps, mais moi je n'arrive pas à avoir une vidéo potable à part des gens qui la mettent, mais moi ça m'intéresse pas ce genre de format montré. Et ce que j'ai trouvé par contre, attendez, parce que j'ai une toffe dans notre effet carcion. Ok, je ne comprends. Bon, ce que j'ai trouvé, c'est une vidéo de la performance. Sauf que la personne a fait une sorte de foutage dessus et a mis une sorte d'effet d'herbe et tout. C'est le mieux que je peux trouver pour visionner cette vidéo. Et je peux vous dire que ça me frustre mais à mort. Mais au moins, j'espère que je verrai plus ou moins et que je vais surtout apprécier cette nouvelle performance faite par Forestella. Il me semble même qu'ils ont gagné la séquence de cette émission, mais je suis pas sûre. Et j'ai vu que la poème avait tout simplement aussi chanté à cette émission, et j'en ferai aussi également une réaction, mais ça ce sera dans une autre vidéo à part. Bon, allons voir ça maintenant, let's go. Ok, bah, des herbes, des trucs lumineux. Pff, voilà quoi. Mais on voit quand même la vidéo plus ou moins. Ce qui est bien, c'est que je devrais pas fouter moi. Et je mettrai évidemment le lien de la vidéo de la personne qui a fait ce montage. Hein. Oh. Oh, Bad Rumor, c'est une des chansons de Lady Gaga qui est trop cool, quoi. Forestella qui fait du Lady Gaga. Ouais. J'adore leur costume rouge et tout. On dirait que c'est une édition spéciale, comme celle qu'ils ont fait en fin d'année. La mise en scène, le tableau est juste magnifique. Waouh, waouh. Oh, 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 oh. Ce que j'aime avec Forestella, il s'approprie la chanson et. Waouh. Oui.
Waouh, même les caméramans ont regardé tout le taf, quoi. J'espère que Lady Gaga a vu cette performance. Ah, parle pas français, s'il te plaît, je vais y avoir chaud. Waouh, c'est excellent. Bah, après, c'est pour rester là, donc moi ça m'étonne pas. Mais je suis tout le temps quand même en mode sur le cul. Heureusement que je suis sur ma chaise, hein, et que je suis pas à terre. Hein. Oh, il y a que du beau panel en plus, hein. Il y a le leader des winners, il y a un ancien membre des Wanaun. D'une pièce de théâtre. Waouh! Pouhou! Mais quelle explosion! C'était juste excellent. Vraiment dommage que je n'ai pas eu accès vraiment à la vidéo originale. J'aurais encore plus apprécié, je pense. Cette reprise de Bread Romance de Lady Gaga, c'était excellent. On dirait même pas que c'est une chanson de Lady Gaga, mais une chanson de Forestella, tellement qu'ils le sont appropriés, qu'ils l'ont fait à leur manière et ils l'ont fait justement et parfaitement bien, les gars. C'était vraiment génial. Encore une fois, une mise en scène exceptionnelle, une mise en scène d'un tableau superbe, même si parfois je voyais pas très bien. J'aime beaucoup également les caméramans qui font vraiment ce genre de visuel de retournement et tout. Faire ça en live, c'est quand même pas donné, que ce soit aussi leur tenue, même les danseurs, tout était génial. Ce château qu'on voyait à l'arrière et tout, et puis à la fin, explosion, non. J'étais là en mode, hein, il fallait que je referme ma bouche. Et puis bientôt, je vais me foutre une pêche ici. J'ai déjà eu un coup de poing hier dans mes résidences, c'est bon, j'ai encore mal un peu la mâchoire. Mais on va penser que tu te fais battre ici, ça ne va plus. Mais je sais pas ce que vous en pensez vraiment de cette performance, mais encore une fois, c'est du high level. Je suis tout le temps autant impressionnée et ouvrir mes yeux. Si je le vois en face de moi, je pense que je tombe à terre. Littéralement. Mais vraiment désolée pour la qualité de la vidéo, hein, de la vidéo principale, mais je n'ai pas pu mieux faire et c'est frustrant. Pourquoi bloquer ça dans certains pays? Et franchement, j'ai pas envie de payer un VPN pour. Mais oui, c'est frustrant. Je sais que tu peux faire un essai gratuitement, mais après tu dois toujours payer. Et parfois, il y a plein de virus. Non, j'ai mon lot avec ces virus ces derniers temps. C'est beau, c'est bon. Et vous, mes chers Mélimélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce retour en force durant Immortal Song et de cette performance, cette réinterprétation tout simplement d'un des titres phares de Lady Gaga? Moi, je vous fais plein 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 de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.